Alors, depuis l'assise, depuis cette conscience que le corps retrouve de vraiment pouvoir se placer sur le tapis, de pouvoir être en yoga, c'est-à-dire c'est un état d'esprit, c'est au-delà de la posture. Le corps connaît des chemins, connaît les bienfaits. Le corps sait se placer en yoga, l'esprit sait retrouver l'attitude yoga. Chose qui devient familier, rappelle-toi que dhyana, qui est méditation, c'est l'art de se familiariser. Donc évidemment, ton corps, ta conscience et même maintenant ton environnement sont familiarisés avec ce qui est yoga pour toi, c'est-à-dire comment toi tu le traduis dans ta réalité. Alors, je t'invite à activer, à retrouver tout de suite les éléments qui t'amènent à pratiquer. Déjà les activer en toi. Peut-être que pour toi c'est plus sensible au niveau des sensations du corps, peut-être la respiration, peut-être la légèreté. Voilà, trouve les clés qui te font toi persévérer dans ta pratique, qui te font revenir à la pratique, qui t'engagent à aller plus loin, à faire les pas supplémentaires pour continuer le chemin, pour ne pas t'arrêter à mi-chemin. Pour rester engagé, pour le faire vraiment avec joie et avec confiance et conscience. Et puis trouver une forme de contentement qui t'émerveille encore, même si tu connais le chemin de rester, à avoir ce goût et cette joie de recommencer, de réapprendre, de redécouvrir et d'approfondir. Relis-toi à un sentiment élevé pour toi, ça peut être la joie, la gratitude, le plaisir, la fierté, la dignité, la simplicité. Trouve ton mot à toi, ton énergie à toi. Et puis comme si tu pouvais l'écrire sur un papier, inscris-le dans le corps et pose ce corps où écrit ce mot, cette intention, cette qualité, cette énergie qui te pousse à avancer avec qui tu es, mais aussi à mieux te connaître. Qui viendra déposer l'ensemble sur le tapis, sur le sol, allongé sur le dos. Voilà, prends soin de te déposer et de reconnaître que tu es dans des appuis sur le sol, sur la terre. Tu reçois donc là du soutien. Que tu es comme vraiment un enfant de la terre qui peut se déposer et s'enraciner. Alors tu peux laisser tout le corps se relâcher. Tu retrouves le mouvement respiratoire. Tu vas tranquillement resserrer les jambes et tout de suite ramener le genou gauche sur la poitrine. Replace la tête, redescends un peu le menton. Viens croiser les doigts sur le genou gauche. Inspire, pousse le talon droit vers l'avant. La jambe droite à peine au ras du sol, maintiens. En expirant, ramène les mains doigts croisés vers le haut. Laisse la hanche se fermer. Et inspire, relâche les mains, les deux jambes, allonge. Expire, tout le corps se redépose. Relâche. Resserre les deux jambes, genou droit sur la poitrine. Les doigts croisés sur le genou. Si tu peux, change le croisement de tes doigts. À l'inspire, pousse le talon droit loin devant pour étirer la jambe, aller au ras du sol. Maintiens. Expire, tu vides. Les mains poussent sur le genou, la hanche droite se ferme, le genou droit vers l'épaule droite. Tu laisses faire, tu vides. Et quand ça inspire, tu lâches, tu ouvres. Tu déposes et tu expires, tu laisses inspirer. Et tu laisses expirer, relâche.
Respire. Tu refermes les deux jambes, à nouveau genou gauche sur la poitrine. Les mains cette fois l'une sur l'autre, donc main gauche et main droite par-dessus. La nuque est déjà longue. Les bras sont lourds sur le genou gauche. Inspire, la jambe droite est élongée, posée au sol. Les coudes s'ouvrent, la tête et les épaules se lèvent. Et elle expire à nouveau, les mains poussent sur le genou, la tête monte. Et inspire, relâche, dépose. Expire, dépose le corps au sol, profonde inspire. Et profonde expire, relâche, relâche, relâche. Resserre les jambes. Genou droit vers la poitrine, prends le temps vraiment de placer le corps, main droite sur le genou et main gauche par-dessus. Descends un peu le menton. Inspire, la jambe gauche est très longue au sol, les coudes s'ouvrent, épaules et tête qui montent. Avec l'expire, les mains poussent sur le genou, genou droit vers épaule droite. Inspire, ouvre, dépose, relâche. Et expire dans Shavasana. Profonde inspire. Et très très profonde expiration. Relâche. Respire. Relâche. Tu resserres les jambes. Tu fléchis jambe droite et tu ramènes le pied juste au niveau du mollet gauche. Juste au niveau du mollet gauche. Garde les bras relâchés à demi ouverts sur les côtés. Les doigts en Jhana Mudra. Inspire, élève la tête, les épaules, les bras, la jambe gauche juste au niveau du genou droit. Regarde ta posture. Expire, accompagne la dépose, relâche la tête en dernier. Relâche et respire. Profonde inspire et profonde expire. Relâche. Resserre les jambes. Pied gauche au sol, au niveau du mollet droit. Les doigts en Jhana Mudra, bras à demi ouverts sur les côtés. Laisse inspirer, élève les épaules, la tête, les bras au-dessus du sol, jambes droites tendues, les deux genoux au même niveau. À nouveau, observe ta posture. Expire, accompagne la dépose, relâche, allonge, respire. Profonde inspire. Profonde expire, relâche, respire, resserre les jambes, pied droit cette fois au sol, mais à hauteur de l'autre genou, tu vas un peu plus haut, allonge la nuque, les bras serrés le long du corps, Anjana Mudra, bout des doigts au sol, inspire, élève la tête, les épaules, bras au ras du sol, la jambe gauche un peu plus vers le haut, toujours à hauteur de l'autre genou. Expire, dépose, pousse le talon gauche loin devant, le talon droit loin devant. Et relâche bras, épaules, tête. Respire. Profonde inspire, profonde expire. Relâche. Resserre les jambes, les bras. Pied gauche au sol, pied à hauteur du genou. Pied droit très flex. Inspire, la tête et les épaules levées, bras au-dessus du sol, jambes droites très tendues, les genoux au même niveau. Par le talon droit, expire, descend, allonge la jambe, par le talon gauche, allonge la jambe gauche, et jusqu'au sommet de la tête qui se dépose, relâche. Tu laisses inspirer, et tu laisses expirer, relâche, relâche. Tu resserres les jambes, tu ramènes jambes droites fléchies et tu colles le talon au fessier droit, les mains à plat sur le sol. Inspire, les épaules et la tête levées, la jambe gauche à la verticale et même vers toi, vers le front. Regarde les orteils du pied, garde les mains au sol. Le pied droit pousse au sol, allège le bassin. Expire. Dépose bien le dos, le sacrum, redescend la jambe gauche, la jambe droite.
Relâche tout le corps, les deux bras, profonde inspire et profonde expire. Relâche. Tu resserres les jambes, les bras le long du corps, le pied gauche collé au fessier. Inspire, tu pousses dans le pied gauche, dans les mains, la jambe droite monte. Étire. Et expire, redescends la jambe droite, la jambe gauche, relâche les mains, les bras. Profond inspire et profond expire. Relâche. Tu resserres les jambes, les bras, les mains en appui. Le pied droit à nouveau collé au fessier droit. Les mains en appui sur le sol. Inspire. Tu lèves la tête et les épaules, la jambe gauche à la verticale, tu pousses et tu ramènes les doigts à l'arrière de la jambe gauche. Expire, dépose le fessier, la jambe droite s'allonge, la jambe gauche se relâche, les bras à la tête se posent, tu laisses inspirer et tu laisses expirer. Relâche. Tu resserres les jambes, les bras, pied gauche au sol, prie du fessier gauche. À l'inspire, tu élèves la tête et les épaules, la jambe droite et les mains, le doigt croisé à l'arrière du talon, de la cheville ou du mollet droit. À l'expire, tu enracines les hanches, le bassin, tu allonges jambe gauche, tu relâches la jambe droite, le haut du corps se pose, les bras, la tête. Tu inspires et tu expires. Relâche. Respire. Relâche. Tu resserres les jambes. Tu as les bras à demi ouverts sur les côtés, les paumes bien en appui. Tu ramènes le talon gauche dans le talon droit. On va aller sur une série de torsions. Fixe bien les épaules au sol, descends les omoplates, pousse bien les mains dans le sol. Tu inspires et tu expires. Tourne les pieds vers la droite, lève la hanche gauche, regarde vers la gauche. Respire dans la torsion. Tu relâches en expirant, tu déposes les fessiers, relâche les pieds et les mains. Profonde inspire, profonde expire, relâche. Resserre les pieds, tu ramènes le talon droit sous et dans les orteils du pied gauche, les mains bien en appui, les bras à demi ouverts. Inspire, vraiment, ouvre les épaules. À l'expire, tourne les pieds à gauche, lève la hanche droite, garde les épaules, fixe les épaules au sol. Regarde vers la droite, respire. Tu relâches sur une expire, ça se dépose, replace la tête, les pieds, relâche les mains. Profonde inspire et profonde expiration. Relâche, relâche. Tu gardes l'ouverture des jambes et tu fléchis juste les genoux. Tu ramènes les pieds vers les fessiers. Tu gardes les mains au sol. Juste en appuyant les pieds au sol, tu lèves le bassin pour bien descendre le sacrum. Vers les talons, tu places bien ton corps, tu fixes bien les épaules au sol. Ouvre les doigts, inspire et expire, descends les deux genoux vers la droite, tourne la tête à gauche, respire dans la torsion, fixe les épaules au sol. Inspire, tu reviens. Et expire les deux genoux à gauche. Lève bien la hanche droite. Regarde vers la droite. Inspire, tu reviens. Et tu allonges les jambes, tu expires, tu relâches. Profond inspire. Et profond expire. Relâche. Relâche.
Tu vas fléchir les deux genoux. Tu étires bien le dos. Les deux pieds au sol. Les pieds, les genoux serrés. Et cette fois, tu as les bras un petit peu plus ouverts sur les côtés. Les paumes bien en appui, les doigts serrés. Allonge la nuque. Tu inspires. Et tu expires, descends les deux genoux à droite. Garde-les ensemble. Monte la hanche droite, gauche, un peu plus haut. Regarde vers la gauche. Essaie de maintenir le haut du dos fixe au sol. Respire. Inspire, tu reviens, tu replaces, pose les pieds. Et expire, descends les deux genoux vers la gauche. Monte la hanche droite. Regarde vers la droite, respire dans ta tension. Inspire, tu reviens. Et expire, ouvre les genoux, les mains. Et dans cette ouverture profonde, inspire. Et profonde, expire. Un relâche. Un relâche. Tu refermes les deux genoux et tu vas ramener le pied gauche sur le genou droit. Les mains au sol et les mains en appui. Inspire profondément. Et à nouveau expire les deux genoux vers la droite. Descends les genoux. Monte la hanche gauche encore plus loin. Si l'épaule gauche tente à se lever, descends un peu la main gauche vers le fessier gauche. Donc ferme l'angle du bras. Inspire, repousse dans l'arrière des bras. Ramène les genoux, le pied au sol. Les deux pieds au sol, colle les genoux ensemble. Relâche, expire, inspire, dépose et relâche. Relâche. Ramène les pieds ensemble, les genoux, et c'est le pied droit qui se pose sur le genou gauche, les bras à demi ouverts. Inspire et expire, descends les deux genoux à gauche. Descends, descends. Si l'épaule droite est trop haute au niveau du sol, n'hésite pas à descendre le bras vers l'arrière du dos et trouve vraiment l'ouverture pour garder fixes les épaules au sol. Pousse bien dans les bras et inspire, ramène le pied, les genoux, les deux pieds au sol. À l'expire, à l'avant, allonge les jambes et relâche tout le corps. Relâche tout le corps. Tu laisses inspirer et tu laisses expirer. Relâche très profondément. Relâche. Tu vas venir fléchir les deux genoux. Cette fois, tu vas ramener la cheville gauche sur le genou droit. Tranquillement. Une fois que tu y es, tu ramènes les deux genoux vers la poitrine. Donc, tu as toujours la cheville sur le genou. Et tu ramènes juste vraiment le genou droit. Avec tes bras, tu vas juste glisser la main à l'intérieur et tu vas saisir l'arrière de la cheville droite ou de la cuisse droite. Viens sous le genou. À l'inspire, les épaules et la tête sont levées. Et à l'expire, tu ramènes le genou droit vers le front. Tu y vas lentement pour libérer un peu plus les hanches, le bassin, pour approfondir les prochaines torsions. Tranquillement inspire, relâche, décroise les doigts, pose le pied droit, épaules et tête. Et tranquillement en expirant, descends vers la droite et pose le pied qui est là au sol, tout simplement. Et respire. Inspire, tu ramènes, tu défais, tu déposes les deux pieds au sol. Et tu laisses expirer. Relâche dans ton corps, dans tes appuis.
Et tu ramènes la cheville droite sur le genou gauche. Tranquillement, tu ramènes le genou gauche vers la poitrine, donc tu lèves le pied. Entre la jambe droite, tu glisses la main droite et tu croises les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Donc viens à l'intérieur de la jambe. En inspirant, tu lèves la tête et les épaules enroulent bien la tête. Et tranquillement, en expirant, ramène le genou gauche vers le front. Ressens ce que tu ressens, reste à l'écoute. Et tranquillement, inspire, ramène, ouvre les bras, dépose le pied. Et en expirant, descends les genoux vers la gauche et pose le pied, donc le pied droit au sol. Relâche ta tête légèrement vers la droite. Tu inspires et tu expires. Et puis tu ramènes, tu défais, tu ramènes les pieds au sol, tu allonges les jambes, tu relâches les bras. Tu laisses profondément inspirer et très très profondément expirer. Relâche. Garde les paumes de main vers le ciel. Ouvre les yeux. Et en inspirant, élève les épaules, la tête, les bras au-dessus du sol. Observe la posture si tu es aligné. Croise les doigts à l'arrière de la tête. Et en expirant, allonge le dos, dépose la tête, ouvre les coudes. Relâche. Relâche. Tu viens de réfléchir les deux genoux, les deux pieds au sol. Pieds serrés, genoux serrés. Et prochain inspire, allège les hanches, allège le haut du corps. Vraiment contracte les fessiers. Et expire, tu déposes le dos, étire le sacrum vers les talons. Et au bout de l'expire, laisse les deux genoux tomber à droite. Et puis garde la tête dans les mains. Inspire, tu ramènes les pieds au sol serré, tu allèges les hanches, tu montes le dos. Contracte bien les fessiers, expire, étire le dos, le sacrum vers les talons. Et puis les genoux à gauche, relâche. Inspire, ramène les deux genoux, les deux pieds. Et lente, expire, décroise les doigts, dépose la tête, ouvre les genoux. Et relâche les bras, les hanches, les pieds, le visage, tout le corps. Profond inspire, profond expire. Relâche, relâche. Tu ramènes les genoux ensemble, les deux genoux sur la poitrine. Tu croises les chevilles. Avec tes mains, tu rattrapes les pieds qui sont là et on va faire un rocking pour retrouver la posture assise tranquillement. Étire les pieds à l'arrière de la tête, referme et balance-toi de l'avant à l'arrière. Et tu reviendras te placer en assise. Et tu te laisseras profondément inspirer et profondément expirer. Tu vas garder l'immobilité de ton assise. Les mains en coupe devant le pubis. Tu viens retrouver la respiration à 4 temps. Premier temps, inspire, suspension du souffle, second temps. Expire, c'est le 3e temps. Et pose profonde qui t'enracine, qui te dépose, 4e temps. Pour t'aider, cette fois, tu vas simplement compter 1, 2, 3, 4. Et tu le fais 7 fois. En silence. Quand tu arriveras au bout de tes 7
compte de quatre, quatre temps. Tu viendras te déposer, tu viendras te couvrir et tu viendras relâcher sur le sol, sur le dos, de tout ton corps, en silence. Tu viendras te déposer sur le sol, tu viendras resserrer les jambes, les pieds très flex, les bras, les mains en appui sur le sol. À l'inspire, tu viendras lever la tête, les jambes, et en expirant, amène les pieds, les jambes à l'arrière de la tête. Les mains au bas de la colonne, les genoux fléchis vers le front, en inspirant. Ramène les jambes à la verticale. Et à l'expire, ramène les jambes à l'arrière. Tu gardes la jambe droite à l'arrière et tu inspires, ramène la jambe gauche à la verticale. Expire, referme. Inspire la jambe droite à la verticale. Expire, tu ramènes les deux jambes. Tu déposes les deux mains au sol, genoux vers le front. Tu enroules lentement le dos, les pieds au sol, les jambes s'allongent, la tête se dépose. Tu inspires très très profondément, tu expires très profondément. Tu ramènes les mains sur le ventre. Et au rythme de ta respiration et des expirations qui s'allongent, tu prends le temps de rester, de te déposer, d'intégrer et de te relâcher. Laisse les expirations devenir de plus en plus longues. Puis progressivement, tu vas voir que tu oublies le temps, que tu oublies le souffle. Laisse-toi plonger dans cet oubli comme si tu plongeais dans l'inconnu, dans le nouveau, sans savoir, sans voir, mais juste présent et infiniment confiant, relâché, déposé, assoupli. Respire et laisse aller.